Sud-Ouest. Comment est-ce que aujourd'hui, nous retrouvons avec Alex. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut les amis. Et aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, nous allons présenter les nouveautés de la 1.9 de Minecraft. Yeah, yeah. Et donc, ok, j'ai fait une screenshot sans faire exprès. Je t'ai vu laguer au moment. Donc voilà. Beaucoup de nouvelles choses et on n'est pas entré par l'entrée principale comme c'était prévu. On s'en fout. Donc voilà. Voilà, tout est là. Et ah! C'est ce que c'est merde. Ouais, la tête du dragon. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveautés. On pourrait aussi l'appeler la mise à jour de l'End, mais elle est plutôt surnommée la mise à jour du PVP pour plusieurs raisons, dont. Je ne le sais pas, c'est une joke. Explique au niveau... en fait, on a l'ajout des flèches, elles sont où? Donc des flèches empoisonnées, on aura moyen de faire... de combiner les flèches avec les potions. Donc si on se prend chacun un arc, tu nous as fait deux armures, ah, t'es chou. Ok, et des flèches chacun, cool. Donc voilà, on se met notre armure, et il sera possible ainsi de prendre exemple notre arc. Et exemple, on peut aussi faire d'autres choses que je vais vous montrer tantôt, parce que j'ai pas envie de le montrer tout de suite. Donc ouais, t'aurais pu m'en laisser hein, des flèches. Tiens, attends, je t'en donne. Donc je vais nommer toutes les nouveautés. Ça, tu m'en as donné... Tiens, ça c'est à toi. Si tu m'en as donné une de toi. Ok, donc on va-tu tester tous les effets? Et bien sûr que si! Donc, on se shoot dessus, allez! Ouais! Ah, faut être en game mode. Ouais. Ok, on va en game mode. Clash game mode 0. Ok, donc là, ok, fait que là on n'a pas beaucoup de flèches. Donc, première flèche qu'on va envoyer, c'est la flèche spectrale. Je vais tirer à temps. Donc, elle est buggée, elle marche pas encore. Ça, je peux vous le dire, mais dis-moi combien de cœurs ça t'enlève avec armure en diamant. Tu joues en français, toi? Non. Ok, vas-y. Spectral Arrow, c'est juste que je l'ai nommé. Ok, je te tire une flèche dans le corps, pas dans la tête, parce que je veux pas te faire critiquer. Donc, tu me dis combien de cœurs ça t'enlève, c'est bon? Ouais. Okay. Oh non, mais en fait, ça marche! Ça marche ouais, ça marche. Oh my god, je sais même pas c'était quoi l'effet en fait. Attends, dans... Okay. Fall. Yo yo, pogne une flèche spectrale et tire-moi dessus. Tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre. Tu n'as pas? Non. C'est elle avec le bout jaune. Ouais, c'est pas grave. Attends. Ah non, 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 faut que tu vois. Tu tournes en ce moment? Alors tu vas voir. Attends, je t'en donne une. Bouge pas. Tiens, prends ça. Ah ouais, celle-là, je l'avais pas. Allez, tire-moi dessus. Mets là en premier sur ton inventaire. Ah oui. Ouais, c'est quoi l'effet? L'effet c'est glowing. Voilà l'effet ouais. Que ça donne. Et le truc c'est en fait on voit en surbrillance à travers les murs pendant je crois une dizaine de secondes. À travers les murs. L'effet. Ouais. Ouais. En fait ouais. Si t'as vu quand tu m'as tiré une flèche, il y a eu mon perso en contour blanc. Ouais, ça, j'ai vu. Et tu vois à travers les surfaces ce contour blanc, en fait. Mm-hmm. Eh ben, c'est magnifique. Hein? Donc, deuxième flèche, Potion of Strange. Donc, on va tout de suite tirer une flèche normale, ok? Donc, je vais tirer une flèche normale. Combien de cœurs? 0,5. Un demi-cœur. Et je te tire. Attends, on va attendre ta vie à soit complète. C'est bon. Tu me dis quand elle est complète? C'est bon. Ok, je te tire avec une flèche avec posture de Strange comme effet dessus. Un demi-cœur. Un demi-cœur et ça te donne l'effet. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça qu'on voulait tester en fait. Ouais, et en fait, regarde, je sais pas si tu remarques, regarde, quand je te tire dessus et que t'as un effet, regarde dans ton écran en haut à droite. Ah bah ouais. T'as une icône avec ton effet que t'as en fait, c'est beaucoup plus pratique comme ça quand. Fait qu'en PVP, on va PVP, toujours savoir. Ouais, ah bah ouais. T'as plus besoin de rentrer dans l'inventaire en fait. C'est magique. Par contre, on n'a pas le temps, mais je sens que ça va venir au niveau des options. Prochaine flèche, Potion of Arming. C'est quoi Arming? C'est la rouge vin. C'est quoi en français? Je sais pas, je suis en anglais. Attends, en anglais? Ouais.
Oui, je vais changer en français. Français Canada. Ok, on va l'avoir. Allez, je t'ai cliqué dessus, hein, con. C'est tellement long. Manger du popcorn. Bon. Oui, je suis moi aussi, c'est long. Ok. Donc c'est. Alors c'est lagué. En français, il marche pas. On va tourner en anglais. Ok, donc voilà, c'est Potion of Harming. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait. On va voir. Hein. Tiens, regarde. Ça m'a rien fait. Attends, je vais tirer. Ouais, ça m'a juste enlevé un cœur, c'est tout. Ok, Ouais, bon, on mais va peut-être essayer qu'on avec la a. Potion of Healing. Donc, ben, la Arrow of Healing. En fait, toutes mes trucs sont lagués. Attends, des coups à coups. Ça devrait marcher. Non, ok, pas grave. Donc, c'est Arrow of Healing. Fait que là, exemple, je te tape, ok. Tu me dis quand t'as perdu un cœur. Ouais, c'est bon. Ok, je te tire dessus et. Non! C'était ma seule flèche. Attends, elle est là. La reprendre. Attends, je te tape encore. Bon, c'est bon. Et. Boum! T'as toute ta vie. C'est Non, ça? l'effet, il est pas là. Non, mais c'est pas un effet. Ça te donne la vie direct. Ah C'était non, ça potion. m'a donné un cœur. J'avais perdu deux cœurs, ça m'a redonné un cœur. Ah, ben c'est bon. Parce qu'en fait, t'en as perdu un à cause de la flèche. Mais. C'est ça. Fait que. Donc, poison. Donc, on peut empoisonner notre ennemi. Je sais pas pendant combien de temps, par contre. 45 secondes de Yo, quand poison. même. Ouais. La flèche de poison, ça, par contre, en PvP, ça va être putain d'utile. Tu peux te mettre en game mode si tu veux. T'en donner de. Tiens, si tu veux. Ouh, tout Okidoki. juste. Donc, Water Bottle. Celle-là, je n'ai Attends, aucune je idée de mange, ce qu'elle faut peut que je faire. mange. J'ai aucune idée de ce qu'elle peut faire. Je vais plus te donner du pain. Swiftness, ça, je sais quoi, c'est rapidité. Weakness, en tout cas, je pense que vous avez compris le principe. Donc, ça donne l'effet de la potion qu'on veut y ajouter. Sauf que Water, je vais essayer. Attends. T'es prêt? Non, si tu me tires une flèche, je meurs. Tu me dis quand je peux. Bah, il me restait un cœur, donc ça va mettre un peu de temps. Oh non, mais s'il te reste 3 coeurs, t'es correct. Ouais, c'est bon. Ok. Boom! C'est quoi? Ça m'a enlevé un cœur et... Ça m'en a rajouté 0,5. Enfin, ça devait faire quoi? Rien. Rien. Ça m'a juste enlevé un cœur, en fait. Ok. Et pour dernier truc, pour le fun, on va rendre notre cher ami disparu. Est-ce que ça marche? Ouais, Ouais, t'es invisible. ça marche. Ça, c'est cool. Combien de temps? Putain, de 2 minutes, quasiment 3 minutes. 2 Tu minutes vois? 55. Préfère des stratégies. Il y en a un qui est caché, il Ouais. tire, boum, on disparaît, on s'enfuit. Mais on peut faire pas mal de trucs. Donc Donc voilà, tous les effets sont présents. Est-ce qu'on montre comment le crafter ou on peut pas encore les crafter? J'en ai aucune idée en de fait. aucune idée, je sais pas. De toute Ok. façon, j'ai pas prévu comment les montrer, donc Ok. Bah vous verrez vous-même, hein. De toute façon, voilà. Donc, un des nouveaux trucs qui peut être génial, qui est un peu buggé, mais voilà, ça peut être génial pareil. Ouais, il est buggé. Bon. Mais comme vous avez vu dans le. On peut maintenant avoir les deux mains avec quelque chose. Présentement, avec les épées, c'est lagué. Mais si on pogne des blocs, par exemple, je pogne ça et je sais pas moi, ça.
Et je suis un fan de construction, et ben je peux mettre les blocs que je veux. Je peux les mettre, les péter. Mais si j'ai un seul bloc comme ça, c'est là que c'est plus utile. Venez ici, décidez de construire de quoi. Faites genre, tac, 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 je sais pas moi. Et par exemple, vous êtes en game mode normal. Et puis vous avez une hache dans l'autre main. Et ben tout simplement, vous les pétez. C'est très très simple. Fait que on peut vraiment s'amuser avec ça. Tac, tac, tac. Et ça devrait aller bien, donc c'est ça, je peux montrer en game mode 0. Je pose mon bloc et je le détruis. Mais imaginez que vous avez plusieurs blocs. Ouais, je sais pas si ça marche par contre. Non, c'est ça. On peut pas encore utiliser les armes ou les systèmes comme ça de l'autre main. Alors, Puis il va y avoir des boucliers ici, mais. Après ça, donc, il y a bien sûr les nouveaux chemins de terre que vous avez vus depuis le début. Il y a aussi les nouvelles lumières. Donc, ça fait de la lumière. Si j'en mets le time 0 que j'ai pas, slash time 7, 500. Donc, ça là, ça produit de la lumière. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait des barreaux tout alentour. Ouais. Tu peux présenter le reste là, vu que c'est toi qui as fait le setup. Bah là en fait ça c'est l'ajout de nouvelles enfin c'est des lampes qu'on trouve dans les donjons de l'End. C'est aussi nouveau ça les donjons de l'End. Ensuite les blocs là c'est des blocs Mais non, mais tes œufs, tout ici. hmm? Tes œufs ici, présente-les ici. Ouais Tu te fais un les stem blocs puis tu là utilises pas. c'est ils se craftent c'est avec les pierres du que l'on trouve dans l'End. J'avais pas mis une table de craft quelque part. Je les ai toutes enlevées. Donc on les craft comme ceci. Ensuite, les quatre blocs à côté, c'est les blocs que l'on peut crafter grâce à ces nouvelles plantes également que l'on trouve dans l'End. Tout nouveau aussi. On a l'ajout des betteraves, il me semble que c'est ça. C'est magnifique, ce truc. Faut être en game mode. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon Ouais, ben. ça c'est comme le cactus en fait. Quand on casse le premier bloc, il y a toute la plante qui. Sauf que c'est stylé. C'était pas le but de tout péter. J'ai pas trop Ouais. compris. Donc, je sais pas, moi je fais un truc. Nawak. Ok. Donc on peut pas faire un truc nawak. Voilà pour ce qui a des blocs. Donc ouais, aussi pour poser les tout ce qui est Et non, mais attends, t'as pas fini avec l'arbre. ce qui est pour poser tout ce qui est fence et compagnie. Non, c'est vitre, pardon. Maintenant, quand vous posez seulement un bloc tout seul, ça va apparaître sous forme de barreau comme ça. Et dès que vous raccordez les deux, ça apparaîtra comme une vitre, tout simplement. Donc maintenant, vous pouvez aussi raccorder tous les blocs qui se raccordent ensemble. Donc, exemple, comment je peux Ah dire, ouais, ça aussi, tous ouais. les blocs raccordables, ils peuvent être raccordés ensemble. Si vous comprenez. Avant, on ne pouvait pas, exemple, mettre une vitre et un truc comme ça à côté de l'autre. Ça crée un espace entre les deux. Et bien maintenant, ils sont raccordables. Donc, je vais laisser ça, vu que c'était joli. On dirait, oh, on pourrait faire des drapeaux. Drapeau blanc. Ouais. Dans ma tête, dans ma tête. Next étape. Tour dans l'end, je Donc, on peut pense. faire des soupes avec les betteraves. Et voilà que Ouais. ça a l'air les graines de betteraves. Ensuite, il y a bien sûr la bonne meal pour faire pousser les betteraves. Puis, il y a aussi les chorus fruit et les popped chorus fruit. Donc, ça, c'est ce bloc-là. Non. Parce que c'est dans les chorus plants. Donc, ce Ouais, qu'on en a fait fait, pousser. ouais, c'est tout simple, c'est le chlorflower, c'est ce qu'on plante pour que ça pousse.
Ah, je Et vois. le chlorure plante, ben, c'est la plante, je sais pas à quoi ça C'est sert. en fait c'est le tronc, c'est. Ouais, c'est le tronc de Donc la plante, tout faut attendre comme simplement. ça pour que ça pousse ce tronc. Ouais, c'est faut juste attendre, c'est comme une graine de carotte ou patate. Oh, c'est chouette. Bon ben, next étape, on s'en va direct dans le Ender pour vous montrer les nouveautés du Ender qui sont vraiment magnifiques et folles et magnifiques. J'ai rien d'autre à dire à part ça, c'est juste malade. Puis en même temps, après ça, on pourra voir si notre petit arbre a poussé, comme Mr. Alex l'a dit. Donc, t'es-tu prêt pour faire le grand saut? Au niveau de l'arbre, il aura pas Fuck you. poussé parce que ça sera pas passé. Enfin, on n'a pas On n'a chargé de pas génial. chunk. Ok, ouais, je comprends. Ah oui, on a un beau end. Donc, comme d'habitude, le Ender Dragon, qui est encore là, même si on l'a tué 4 fois depuis tantôt, qui Ouais. peut maintenant atterrir sur sa fontaine. La fontaine est maintenant présente en tout temps. Et puis, messieurs Alex, on le tue pas parce qu'on s'en fout. Et ah, il est là-bas. Regarde. Donc, d'habitude, quand il meurt, il est mort. Et l'œuf va sur le dessus de la fontaine, comme d'habitude. Mais à chaque fois que vous allez quitter le Nether et vous allez revenir, l'œuf va créer un nouveau dragon. Donc maintenant, on peut reproduire des dragons avec un item. Mais là, il ne sera pas du tout seul. On ne sait pas pourquoi. C'est un bug, Ils sont sûrement. pas encore non, c'est dans la snapshot, ils sont pas encore disponibles, c'est tout, ils sont Ok. pas programmés encore, c'est Donc là, ce truc, faut juste shotter une Ender Pearl dessus. Et ça va. Ouh, ah, je suis tombé. Et ça nous téléporte directement dans l'End, mais Un ils ont un endroit autre monde. aléatoire. Et chez moi, ça a rebugué. Ça a bugué? Ouais. Fais un petit Je déco en décore. cours. Je vais voir si t'es à côté de moi. Peut-être que ça. Ah non, c'est pas aléatoire. Donc c'est un chemin défini. Fait que je crois qu'on peut revenir. Ouais, c'est oui, ça c'est aussi le chemin du retour, hein. Ah, C'est ok. défini par Donc on peut pas le shotter dans le dessous à ce que je vois. Faut en shotter dans le truc noir que vous Bah voyez. Là on était mauvais anglais. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que ça c'est cool. C'est notre TP au bon endroit. Donc ça prend un on peu va de essayer. précision à l'Ender Pearl, mais une fois que vous avez la main, ça devrait aller. Ah, j'ai foiré. Non, mais de toute façon, après en survie, fais un truc à hauteur quoi. Ouais, c'est ça. Tu te fais pas chier quoi. Non. Là, t'es ici, ok. Suis là, Donc, ouais. vous avez plusieurs types de biomes qui peuvent apparaître, comme Ah, j'ai même pas celui-ci, fait gaffe. présentement présent. Donc, ça, c'est un biome d'île volante avec des arbres comme on vous a présenté. Mais ceux-ci sont à l'état naturel, n'est-ce pas? Beautiful, ça. Fait Ouais. qu'on peut péter en dessous et voilà, ça pète tout. Sauf que là, eux autres, c'est à cause qu'ils sont buggés à cause du portail qui s'est généré là. Mais ça crée à chaque fois des fruits. Et ces fruits-là, ben, tout simplement, on peut les bouffer. Et Donc, c'est ça sert très chic. aussi, je sais pas si les fruits servent à faire du colorant ou si c'est les plantes, enfin le tronc juste. Est-ce que tu as envie de goûter? Non, c'est bon. Ok, on goûte pas. Ok. Bon, on va chercher un donjon. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare? Ou on suit? Non, bah non, c'est bon. Donc, en De toute principe, dans ce façon, il y genre en de a assez. biome, comme ça, c'est un autre biome, ce que vous voyez. Des fois, il y a des grandes forêts, des fois, il y a des petites îles flottantes, comme vous avez vu, sont très différentes. Les biomes sont. Ben. Sont assez straight, tu sais, ça. Il n'y a pas de fondu pour traverser d'un biome à l'autre, hein, ça coupe raide. Donc, mais sinon, c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime ça. En tout cas, se promener dans une forêt comme ça, je vous le dis, c'est assez weird. Viens ici, Alex, tu vas voir, là, à la hauteur humaine. C'est plutôt spécial, se promener dans la forêt. Tépais-toi, moi. Fait que. Ensuite, ben, si vous avez un peu de skills, vous pitchez Wonder Pearl, puis vous amusez à aller d'île en île. Puis ça peut être assez amusant. Je suppose qu'ils vont. Ah! Qu'ils vont créer des petits jeux avec ça. Oh, c'est où? Je suis parti. Ah! Je suis bugué. Ok, donc on va chercher un donjon. On fait une ellipse tant qu'on trouve un donjon. Donc, là, tout le monde! Je suis toujours avec Alex. Oh. Tu voulais me fourrer, c'ti. Tabarnak. Ah, je vais m'y aller. Donc, voilà un donjon! Et ouais, ce donjon est plutôt magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je me donne une armure, puis on le fait. Bah ouais. En même temps, je vais essayer d'expliquer une Alors. stratégie pour les nouveaux mobs que vous voyez ici. Alors, faut savoir que ça, c'est un petit donjon, hein. Il y a des donjons beaucoup plus grands que ça dans l'End. Yep. C'est juste qu'on est tombé dessus en premier, c'est tout en fait. Ouais. On cherche des donjons depuis tantôt là. Attends, attends, attends. Je vais juste me prendre de la bouffe. Tu me dis quand t'es prêt, toi, à faire. Ah, tu le fais en. Oh, Game Mode Zero. Hop, c'est bon. Je suis aussi en game mode 0. Allez, viens à côté de moi, soldat. Ah, ok. Je sais pas c'est quoi qui t'a tapé au début. Je sais pas C'est trop. toi. Ah non, c'est. Non! Si. Non! Ah ouais, c'est ces trucs de Puis merde. ça te fait léviter. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es des coups? Bah parce que j'ai crash. T'as crash? Bah oui, c'est pas moi qui mets des go, hein. Est-ce que le jeu crash, quoi? Non, il m'a sorti comme ça de la Ah bah partie. moi aussi. Bah. Oui, ouais, bah tu sais quoi, laisse Ah go, mais laisse c'est tomber. le. Attends, faut attendre que l'effet s'en aille. Je sais pourquoi que ça nous a kick. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Devine. Ah, à cause de l'effet. Oui. Devine pourquoi. On joue sur un serveur. Kick for flying. Ah, ils se tapent entre eux. Bon bah voilà. Mais pour les tuer, en gros, c'est plutôt simple. Faut attendre que la carapace soit ouverte. Hein? Puis ça c'est. Aïe. Pardon. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est les petites boules qui te lancent. Bah. C'est bizarre. Je crois qu'on peut les bloquer ou les péter. Je sais pas. C'est joli, c'est joli. On fait toute notre maison ici. Ah, Quoi? tiens. Oh shit, ça. Ok, il se Ouais, défend ça avec se. un, puis l'autre il nous l'envoie dessus. Ah, je comprendo. Et ouais, ça fait que là on peut pas les taper, ils sont invincibles quand ils sont carapace, sauf quand Non, ils non, je l'enlèvent. crois qu'ils perdent comme de la vie quand. Non, j'ai testé Ça teste. Dante. Ouais, donc ils perdent pas de vie quand. Ça, je voulais expliquer avant que tu le fasses. Il y a des stratégies pour les battre. Donc faut attendre qu'ils ou ah, oh. Qu'ils ouvrent leur carapace pour les tuer. Mais c'est pas si simple que ça de faire ouvrir leur carapace parce que des fois il y en a qui sont un petit peu qui font chier. Sauf Puis têtu. ouais, qui restent toujours en carapace. Donc le but c'est Aïe. de. Lol. Tu vas me kicker, tu vas me kicker. Youhou, oh putain, mais il y en a masse, hein. Y en a beaucoup. Ouais. Donc le but c'est de se mettre sneaky pour les faire obliger à ouvrir. Parce que là, il me défonce, hein. Ah bah je Et je l'évite. peux rien faire, quoi. What? Y'en a partout. Je suis en lévitation. Aussi. What? Non mais j'ai. Je sais comment les bas. C'est easy. En fait, laisse-toi toucher puis monte dans les airs. Salut. Ow. Ok, puisque lui il nous poursuit là. Ok, je comprends. Hey, tu peux les péter hein, les boules. Ouais, Ah pète-les, puis tombe, puis tu le. Tu le ce con. ouais. Vois Ouais, moi. j'en Ah! ai trop. Non! Je l'évite! Je te vois te faire poursuivre. Faudrait une pioche. Allez, mort! C'est impossible. Bon, en gros, il y a des coffres dans l'aine avec des équipements assez cheatés. Donc, comme vous voyez, P4. Allez, je prends ça. Moi, je suis P4. Ouais, j'y cache. Donc, C'est bon, ça protection va être 3. possible. Des trucs vraiment assez cheatés qui peuvent vous donner ces donjons. C'est assez génial. Un arbre Ouais, il s'est anti-âme. téléporté. Wesh. Ouais, c'est vrai, ils peuvent bouger. Ils se déplacent comme ça, c'est téléportant. Comme des petits cons de merde. Ah, je veux le tuer lui, Oh, il y en flasheur. a un en bas là. Mais putain, mais ça saoule trop en fait. Ok, bon, moi je monte. Je m'en fous. Aïe, attends, 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 je vais le tuer. Je vais le tuer. Ah, je l'ai tué.
Y'en a un autre là. Allez, meurs. Ouais. Voilà, t'es mort. Oh non, il s'est TP. Oh, je vole. Je m'envole. Oh, je me fais attaquer encore. Y'en a un ou pas. 6, 5. Eh non, mais c'est cool, gars, je peux m'envoler. Non, bah, à mon avis, tu pourras exploiter ces mobs. Ouais, ouais, ouais. Ouais pour faire les trucs. Oh, j'imagine tellement PvP faction monter sur toi des bases. Il y a encore un mob là qui tire des boulettes. Youl. Ah. Attends, je me TP à toi. C'est tombé. Ouais, je peux pas me changer de dimension. Ah ouais? Ouais. Attends, j'ai envie. Ouais, je suis aussi mort. Wow. Wow, game mode. Ouais, de toute façon, vous avez tout vu. Donc, il y a des plus gros donjons que ça. J'ai vu tantôt un donjon avec des bateaux volants, vraiment. C'est du gros n'importe quoi. Et ouais, et sur ces bateaux, il y a des beacons. Ça, par contre, c'est un peu cheat, en fait, parce qu'on n'aura plus besoin de faire le Wither pour avoir le beacon. Suffit d'aller dans l'end avec une pioche Seal Touch et puis on peut avoir un beacon, quoi. Hé, hey, le petit con, il vient de pousser devant ma gueule. Ouais. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut le... Ah! En fait, ça, c'est le point central. Ça va être tout en haut. Puis le reste, il pousse à l'entour. Ouais, parce qu'en fait, quand une fois la plante a poussé, ça, c'est une fleur et ça... Au-dessus de la fleur, ça peut pousser ou, tu sais, de chaque côté, ça peut pousser. Tandis que là, c'est le tronc et rien ne pousse. Ouais, bah attends, on va prendre la bombe mire. On va tester... Hey, ta gueule, c'est... On va checker qu'est-ce que ça donne avec le bombe mire. Est-ce qu'on peut? À mon avis, tu peux pas. Nope. Vu que c'est de la roche à la base, hein, ce que tu trouves dans... What? Dans l'ennemi. Yep. Ah, tout pété. Je vais faire le décor. Donc, j'espère que vous appréciez cette vidéo. C'était Doualex et Olex sur Minecraft pour une présentation de la 1.9 en version. C'était quoi? 15W31. Ah. Ah. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et pour ceux qui se demandent comment faire un putain de portail du Nether, parce que nous autres on a eu de la misère de sitôt, et bien tout simplement vous faites ce que Olex a fait. Faites ça. Fait que vous faites une espèce de bol avec de la moisie. La moisie en fait tout alentour. Vous mettez de la lave. Ensuite vous montez d'un étage et vous mettez vos trucs alentour. Vous mettez vos yeux du Nether. Du Ender. Et vous aurez terminé. Donc voilà. J'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à laisser j'aime. C'était 2S27. Et ne tombe encore poussé. Salut tout le monde! Ciao ciao! Tu ne me vois plus! Attends. Faut finir ça comme du monde. Check ça, check ça. Mets-toi en game mode. Je suis. Zéro. Oups, il faut. Party time! Où es-tu, Olex? Ouais, je suis sur l'écho. Ouais, il me se fait des coups aussi. Attends, je me recours. Je l'ai fait pendant encore 0 secondes! Bonjour! Ouais, bombardement de Normandie! C'est la guerre! Et voilà, je les ai toutes mis. Allez, on court là. Oh oh! J'essaie de traverser ce champ de mine. Wesh, wesh. Ouais, bonne machine. Personne me touche ici. Ah non! Parvol, adieu. Ouais, ça, on va vraiment imaginer de.
faire des chemins volants, quoi. Où Ouais. tu peux voler, bah si, c'est vrai. Ouais. Puis là, j'entends rien parce que. Après, hein? J'entends rien parce qu'il y a comme trop de bruit. Puis j'arrête pas de crash. Donc, j'espère vous apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de vous faire et Mr. Alex. Ah, je voulais le faire avant de crasher encore une fois. Faut juste... So, ciao, ciao!